On sait que c'est un match très important pour nous, pour hier Toulon aussi. Disons que c'est avec ce match-là que notre championnat va vraiment commencer. On est vraiment motivé, on se prépare bien et avec l'envie de revenir sur Nantes avec une victoire. Je pense qu'il ne faut pas commencer à se dire qu'il y a Toulon des problèmes extra basket, que sur le terrain aussi ils ont pas tous les joueurs qu'ils devraient avoir. Et essayer de se dire que ça va être un match facile. Au contraire, c'est une équipe pleine de ressources qui lâche rien. Et la situation difficile qu'ils connaissent, ils s'en servent comme d'une source de motivation. Et il faut vraiment être prêt au combat et pas se dire que ça va être un match facile. C'est vrai que là, contre Nancy, ça s'est très très bien passé, enfin, personnellement. Même si une performance personnelle dans une défaite de 20 points, ça n'a pas trop d'importance. Moi, ça se passe bien, j'ai déjà mes marques dans l'équipe, je connais bien le groupe, je connais Pascal et Franck depuis 2 ans maintenant. Et c'est vrai que ça me tenait à cœur de revenir plus fort cette année, après la saison passée qui a été un peu difficile pour moi avec ma blessure. Après, c'est que le début, j'espère continuer à apporter à l'équipe et cette fois-ci essayer de revenir avec des victoires. Sinon, ça se passe bien. L'essentiel, ça serait quand même de commencer à gagner des matchs. Même si personnellement, je ne suis pas aussi bon que contre Nancy. Disons que ce sera le même rôle que j'ai pu avoir depuis 2 ans ici. Quand je suis décalé au poste de deuxième arrière, c'est d'essayer de trouver mes tirs ouverts, d'essayer d'être agressif. Quand je suis un, c'est de mettre en place l'équipe tout en gardant mon agressivité. Après, c'est d'essayer de faire le maximum pour pouvoir aider l'équipe à gagner.